Hello, hello à tous, il est minuit 6, je viens pour mon 16e live sur mon défi de 365 jours. Je vous avoue que si c'était pas un défi et si je m'étais pas engagée à venir vous voir tous les jours, je serais pas venue aujourd'hui. Alors, il n'y a pas mort d'homme, hein, je vous rassure, il n'y a pas de souci majeur, mais aujourd'hui c'est très difficile parce que j'ai un souci technique. J'ai un gros gros souci, je ne retrouve pas certaines vidéos. Et j'ai une grosse, grosse, grosse culpabilité à gérer là. Et c'est vraiment pas facile. Je ne vais pas rester très longtemps parce que j'ai pas trop le cœur à venir partager, mais comme je me suis engagée à venir vous partager cette deuxième année dans l'entrepreneuriat, ben voilà, ça tombe au 16e live. Pour vous expliquer, j'ai une formation qui s'appelle Interview Wow, qui est une formation pour former les entrepreneurs à réaliser des interviews qui déclencheront un effet wow et qui va leur permettre de se différencier. Et dans cette formation, je propose des bonus. Un bonus avec Aurore Leroux sur la confiance, la régulation et la co-régulation, puis un autre sur la préparation de la voix. Et ça fait depuis mi-juin que je dois faire les montages et tout ça. Enfin bon. J'ai procrastiné pour ça. Enfin, c'était pas de la procrastination passive, hein. J'ai fait plein plein de choses. Je sais même pas d'ailleurs si on peut appeler ça de la procrastination parce que j'ai fait tellement de choses depuis qu'on a tourné ces bonus. Puis là, quand même, je me dis non, mais là, tu déconnes, Vire. Il faut quand même que tu les mettes en ligne, c'est pas très cool ni pour les personnes avec qui tu as tourné les bonus, ni pour les personnes qui ont acheté ta formation et qui, voilà, qui attendent peut-être ces bonus-là. Et puis cet après-midi, milieu d'après-midi, je me dis, allez, je vais aller juste, j'avais pas vraiment de montage à faire sur ces vidéos, juste couper le début et la fin et puis les mettre à télécharger sur ma plateforme que j'ai mis. Et je ne trouve pas les vidéos dans mon ordinateur. J'ai cherché, 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 cherché. Alors, je sais que quand on a tourné ça en présentiel, j'avais un souci d'ordi et je ne sais plus si j'ai enregistré avec Zoom sur le cloud et que je les ai ensuite téléchargés ou si je les ai enregistrés directement sur le bureau, enfin sur mon ordi. Je crois que c'était sur le cloud parce qu'il y avait un problème avec l'ordinateur. Je retrouve pas les fichiers. Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais qu'après, quand j'ai enregistré les entrevues du congrès, j'ai fait du vide dans l'ordi parce que l'ordi était. Il y avait trop de choses, ça saturait. Et je me demande si je ne les ai pas supprimées. Donc, j'ai beaucoup pleuré cet après-midi. Pleuré, 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 pleuré à me. J'ai essayé de ne pas me traiter de grosse conne. J'ai essayé de ne pas me dire, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que tu peux être con? J'ai pleuré pendant 20 minutes jusqu'au moment où je pense où je me suis dit, mais qu'est-ce que t'es con? Ça, c'est très très difficile. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mais de ne pas s'auto-flageller, de ne pas se faire encore plus de mal qu'il y en a déjà. Donc j'ai cette culpabilité vraiment par rapport à mon amie Aurore. Elle n'est pas encore au courant, alors j'espère juste qu'elle ne va pas tomber sur cette vidéo. Parce qu'il est hors de question que je lui demande de refaire les bonus. Elle est venue de Poitiers à Bordeaux pour qu'on tourne ce bonus-là. Je viens de passer 4 heures avec un logiciel. Alors 4 heures où mon ordi a tourné avec un logiciel pour aller récupérer les fichiers supprimés dans l'ordinateur. Et là. Je viens de regarder, je viens de passer plus d'une demi-heure à éplucher tout ce qu'il a récupéré. Puis, il y a je ne sais pas combien de milliers de fichiers. Je trouve pas. Je ne les trouve pas, les vidéos. On a tourné 7 vidéos. 7 vidéos, une intro, 6 modules. Je ne sais pas où ils sont. Voilà. Donc, je vais aller me coucher. Et puis, on verra demain. Mais je vous avoue que là, c'est gros gros blues ce soir. Gros blues, j'ai tellement pleuré cet après-midi de me dire, mais où sont ces vidéos? Où sont ces fichiers? Et puis alors,
arrive, voilà, à la culpabilité de dire, mais voilà, t'en fais trop, tu fais 36 000 trucs en même temps, si t'avais fait des montages tout de suite, aussitôt après, ça serait déjà sur ta plateforme, et puis t'as traîné, et puis voilà. Et alors le pire, c'est que là, mon ordi, ce logiciel vient de récupérer des milliers de fichiers, plein de vidéos, mais qui datent de 2020. Et là, une vidéo de juin 2022, il n'est pas fichu de me la trouver. Ou alors c'est moi qui... Le problème, c'est que je ne sais pas j'ai dû renommer les fichiers. Mais je connais la date, c'était le 9 juin. Donc j'ai cherché par date, je ne trouve pas. Voilà, donc... J'allais prier. J'allais prier mes fichiers. Là, je rigole, mais je vous assure que là, je mets vraiment gros, gros, gros sur la patate. On est allé marcher tout à l'heure 1 heure avec mon conjoint et puis notre chien. Ça m'a fait du bien, mais là, depuis qu'on est revenu, je me suis remise à l'ordi, à chercher, 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 chercher. Et donc, je pense que faut que j'aille dormir. Demain matin, on va voir Top Gun. Ça va me faire du bien. Et puis après, je vais me remettre sur l'ordi à essayer de voir si miraculeusement les fichiers réapparaissent. Croiser les doigts. Donc voilà, cette vidéo, c'est juste ça ce soir pour vous dire que des fois, il y a des gros, gros blues. Et oui, et c'est vraiment cette culpabilité de me dire, putain, mais quand j'ai fait, où est-ce que j'ai téléchargé ces fichiers? Est-ce que je les avais laissés dans le dossier téléchargement et quand j'ai dû faire du tri, je me suis dit bah tout ce qui est dans le téléchargement, de toute façon, après, voilà. Puis vraiment ce qui m'a. Enfin, le truc qu'il y a, c'est que normalement, quand je fais des visios et que j'enregistre sur Zoom, au moment où je fais sur Réunion terminée, ça s'enregistre automatiquement dans ma Dropbox. Et donc j'ai des fichiers qui se créent automatiquement. Mais là, je me rappelle qu'avec Aurore, ça plantait parce que je pense que mon ordi était plein. Et je crois que j'ai enregistré dans le cloud de Zoom. Mais à chaque fois, je vérifiais qui c'était. Donc j'ai dû les télécharger. Je ne me rappelle plus. Ça, en plus, ça m'énerve, ça m'agace en fait de me dire que je ne me rappelle plus que j'en ai fait. Vous voyez la culpabilité de dire, putain, mais t'es même pas capable de te rappeler de ce que t'as fait. Et là, t'as fait venir, enfin, t'as Aurore qui est venue à Bordeaux pour tourner des trucs, et là, tu vas lui dire que t'as paumé les fichiers, quoi. Putain, la honte, quoi. Bon, il y a des choses plus graves dans la vie, on est bien d'accord. Hein. Je suis pas malade, j'ai personne qui est mort. Mais là, vous voyez, ça me renvoie ce truc de t'aimes quand les choses sont pro, t'aimes quand les choses sont carrées, t'es hyper exigeante avec toi-même, t'es pas foutu de finir ce truc. Je vais vous laisser parce que sinon je vais chialer encore. Je suis limite vulgaire en plus là. Bon, chialer, c'est pas vulgaire, hein, faut pas exagérer. Mais limite. J'ai envie de m'insulter. Donc je vais éviter de le faire. Et puis je vais aller me coucher. Je vais essayer de dormir. Donc bah, si vous voyez ce live ce soir, je vous souhaite une bonne nuit. Prenez soin de vous. Puis si vous voyez ce live demain, passez une belle journée. Je vous tiendrai au courant. Allez, bisous, bye bye. Prenez soin de vous.